En France, la piste d'un règlement de compte est privilégiée dans l'enquête sur l'assassinat de trois militantes kurdes tuées d'une balle dans la tête à Paris il y a une dizaine de jours. Un Turc de 30 ans qui dit appartenir au même mouvement, le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, a été mis en examen pour les meurtres. C'était le chauffeur de l'une des victimes.